Très bien les gars, venez par ici. Vous avez forcément remarqué qu'il y a de nouveaux visages. Aujourd'hui, on va commencer à voir qui mérite d'être titulaire dans l'équipe. On le sait, la saison va être longue. Accueillez les nouveaux comme il se doit, ok? Bien. Bon, à toi de jouer.
Le tir. Et il y a du Juninho dans ce coup franc. Ouais, une bonne charge. Olé! Un ballon bien travaillé pour ce centre. Et oui, c'est au fond! Et les Parisiens reviennent dans ce match. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le vide. Et oui, Ousmane Dembélé est apparu dans pas mal de discussions ces derniers temps. Et il rencontre pour la première fois son ancienne équipe aujourd'hui, donc forcément. Oh là 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 là, goal, 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 goal. Ce but qui vient de nulle part, une frappe hallucinante qui transperce les filets. Il faut de la conviction pour tenter une telle frappe à cet endroit du terrain. Beaucoup de conviction. Et oui, il est très important ce but. De Jong Deng du terrain. Francky De Jong avec le ballon. Avec Joao Félix. La frappe peut-être pour égaliser. Et c'est dedans. La réponse est vite venue. Quel scénario incroyable. À peine le but encaissé. Et c'est déjà l'égalisation. Regardez comment on résiste à la pression défensive. Le ballon, il est protégé comme dans un coffre fort. Et ensuite, magnifique. Sans commettre de faute. Dembélé. À Kylian Mbappé. Et Paris peut avancer là, dans le couloir. Attention à cette frappe. Mais c'est capté tranquillement au final. Ouais, la perte de balle de Barcelone. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Eh oui, le tir. Ouh, le ballon est venu flirter avec la barre. Pedri avec la balle. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Danilo Pereira. Et une occasion de contre à négocier. Le tir et but, le but qui fait mal dans les dernières minutes, le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre c'est l'extase. C'est ça la magie du football, en une seconde toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Quel bombasso ils viennent de nous mettre, ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Attaque rapide pour essayer de rattraper ce but de retard. Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Et oui, le but! Et c'est jamais fini un match. Ça se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière... Pedri sur le côté, il a de l'espace. Le temps passe, le chrono tourne, l'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Un face-à-face à négocier. Et oui, but ! Encore un ! Un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire. La victoire. Et voilà donc, c'était ses premières minutes en professionnel. Et pour un jeune issu du club, c'est un sacré événement. Une première mi-figue, mi-pamplemousse. Côté figue, la défaite. Côté pamplemousse, une multitude de buts marqués. Au final, c'est plus pamplemousse quand même. Oh.
vous veniez, quoi que vous ayez fait, où que vous alliez, vous êtes les bienvenus pour ce moment qui s'annonce incroyable. Et oui, c'est ça le foot, c'est le partage de la passion, de la tension, de l'émotion. Jamais dans la vie, on sera aussi nombreux à ressentir exactement la même chose au même moment que la magie opère. Salut tout le monde, les conditions climatiques sont idéales pour voir un bon match de foot. Au micro, votre duo de commentateurs, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule. Benfica affronte le PSG. Oui, deuxième match de phase des groupes dans cette compétition de préparation. C'est l'occasion de faire de nouveaux essais en vue de la saison à venir. Ça va être très intéressant. Voici la composition de Benfica. João Mario sera avec Gonçalo Guedes sur les ailes. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Et le gardien était bien vigilant. Et Paris peut avancer là, dans le couloir. Les joueurs qui débutent côté PSG. Dans le but, on retrouve Keylor Navas, Milan Skriniar avec Marquinhos en défense centrale. Oh, le tir! Oh oui, ce but! Quel geste! Quelle reprise de volée! Quel golazo! Le ballon qui revient, et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté et là, tu déclenches la foudre. Qu'est-ce que c'est beau! Magnifique! Match très tendu et ce but très important qui peut leur donner la victoire. D'ailleurs, même leur coach est sorti de sa réserve. Otamendi. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Et la récupération du ballon. L'attaque se poursuit, balle au pied. Et but, ça y est, c'est réussi, le doublé. Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente, deux buts marqués, et ce n'est pas fini. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Il y a du soutien là pour attaquer. Ouais, ballon donné en retrait. Et voilà, oui! La preuve qu'ils y croient encore. Plus qu'un but pour égaliser. Le réalisateur fait bien de nous montrer ce centre en retrait. C'est lui qui vient offrir ce ballon directement face au but. Faire simple, oui, le plus important dans le football, c'est de créer du déséquilibre pour pouvoir marquer des buts. Et on voit que les occasions, elles sont trop rares. Pour revenir dans ce match, il faut absolument se procurer plus d'opportunités. Et pour ça, il faut être plus performant à la récupération. João Mario. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Et le panneau indique le temps additionnel. Une petite minute. Et donc, on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. C'est bien parti pour ce corner. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Ah, la bonne frappe. Et direct sur le montant. Ballon toujours en jeu. Le danger est écarté. Ce ballon qui vient de taper le cadre. S'il vient faire le bisou, 2 ou 3 cm à côté, il rentre et c'est 2 buts d'avance. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est bien. Arthur Cabral. Marco Asensio. Attention, voilà un bon duel. Et ça rentre!
L'intervalle se creuse avec ce nouveau but. Ça fait deux longueurs d'avance. Luan Contrant a finalement été détourné avec un zapatasse brutal. Ça compte pareil, mais en plus ça défoule. Après une prestation, c'est une victoire assez nette avec ces deux buts d'écart. Le genre de victoire qui fait du bien à tout le monde.